Ceux qui seront l'élite non seulement régionale mais nationale de demain. Vous avez là les 8 jeunes espoirs du tennis français. Tournoi du Stade Français, un tournoi catégorie 1, U14, une échéance importante là pour nos joueurs. Ça leur permet de se donner un repère. Il y a des joueurs qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent d'Asie, des joueurs qu'on ne connaît pas, qu'on découvre. Il y a 4 filles qui font cette tournée du mois de juillet, où on fait 4 tournois, le Stade Français, Blois, Annecy et un tournoi en Allemagne. On va aller chercher du niveau de jeu, on va aller chercher de l'expérience, on va aller chercher de la confrontation avec des filles qui jouent bien. Mettre en lumière aussi tous les axes d'amélioration qu'on va pouvoir mettre en place après, à l'issue de ce tournoi. J'étais très bien, j'étais sur une bonne lancée. Je faisais plein de bons résultats, plein de bons matchs, des bons entraînements et des bons progrès. Donc j'étais partie plutôt positive. Ça a été compliqué. Je suis mal rentrée dans le match. Je n'ai pas réussi à être combative comme je l'aurais voulu. Bah, ça a été une journée décevante hier sur le plan du contenu en termes d'engagement mental et physique. Les filles sont passées un petit peu à côté sur ce tournoi, que ce soit en simple et en double. Bah oui, c'est forcément une déception parce que tu viens dans un tournoi, tu viens pour progresser, pour gagner et que tu passes à côté du match, oui, c'est forcément une déception. Mais faut se relever plus forte, ça arrive. À tout le monde, je pense. On rappelle quand même que depuis 3 mois, elle est en constante progression, que ça fait partie de la vie d'une joueuse que de passer à côté d'un certain tournoi. Puis oui, c'est pas terminé, la tournée commence et on a tout le meilleur à faire pendant les prochains tournois. 2-2. Vas-y, point décisif dans ta tête. Oui. Allez. C'est pas évident, ils ont gagné le titre de champion d'Europe par équipe il y a 2 jours. Donc les gars, ils sont euphoriques, ils étaient méga contents. Et puis là, 2 jours après, il faut remettre les mains dans le cambouis. Donc pas facile, il faut faire preuve d'humilité. On a vécu, tu vois, des super moments, il y a 2 jours notamment. Tu dois retourner sur le terrain avec plein d'humilité. Voilà. Le mec en face... Bah, tu vois, il a envie de te bouffer, quoi. Ouais. Il en a rien à cirer que tu sois champion d'Europe. Qu'est-ce que t'as l'intention de mettre en place, toi, aujourd'hui ? D'avoir toujours une attitude assez positive et un peu combative tout le long du match, quoi. À chaque point, essayer de un peu se mettre en jambe, sautiller et tirer le point à chaque point. À chaque voilà. Point, ouais. À chaque fois, chaque point, en fait, tu t'encourages. Mmh. C'est ouais, ta routine. Que je perde aujourd'hui. Tu sautilles, tu serres le point et tu dis allez. Jules, c'est un super joueur, mais par contre, parfois, il peut se laisser aller sur l'attitude et lorsqu'il se laisse aller sur l'attitude, bah, son niveau de jeu baisse. Donc voilà, nous, en tant que coach et en tant que formateur, on ne laisse pas passer pour son bien. Allez, bon match. Merci. On vit la passion de son fils. Moi, j'étais joueur de tennis, donc on vit sa passion directement avec lui. Mais c'est vrai que par moments, c'est assez difficile. Moi, je suis nerveux. Pas nerveux, mais stressé. J'ai toujours peur de sa réaction sur le terrain. Il est caractériel, donc j'ai toujours peur de ses sautes d'humeur. Et le match dépend que de lui. S'il est bien, il peut gagner contre n'importe qui. Et s'il est moins bien, il peut perdre contre n'importe qui. Donc j'ai toujours peur du dérapage à tout moment. Voilà. Allez mon grand. Attitude, tous les points. Tu fais circuler la tête de raquette, c'est ça qui va faire rentrer la balle. Allez, attention, 7, pas trop de terrain, pas trop loin de ta ligne. Super Jules, c'est bien. Sautille avant les points, serre le point, allez, allez. C'est croisé. Commence pas. Ah!
un objectif au niveau du savoir-être, du comportement qu'il a tenu sur le premier set. Et ensuite, il s'est surtout encouragé quand il gagnait les points, et il s'est surtout plaint quand il les perdait. Donc nous, ce qu'on attend, c'est qu'il s'encourage dans la difficulté quand il y a des points de perdu. Moi, je t'ai félicité à la sortie du match. Écoute, t'as joué très longtemps, t'as gagné 7-6, 6-4, t'as battu la tête de série numéro 5, t'es content, écoute, c'est super. Maintenant, moi, je suis vraiment pas content. Moi, je suis déçu. Je suis déçu parce que au championnat d'Europe, là, tu t'es battu pour retrouver un super état d'esprit, qui t'a aidé à retrouver un très bon niveau de jeu, qui t'a permis de battre des mecs forts. Et là, c'est quand tu fais ça au second set, c'est coup de canif dans le contrat. Là, tu me dis, tu veux faire du haut niveau, tu veux jouer des grands chelems, tu te rends pas compte. Là, les mecs, ils jouent tous très, très, très bien. Hein. Donc, il faudra faire mieux. Mais ce qui est très positif, par contre, c'est que tu as gagné le match et que tu t'es donné la possibilité de faire mieux. OK ? Allez. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ça a été un peu houleux, parfois entre nous, tendu, mais il sait que c'est pour son bien de toute façon, donc il n'y a aucun problème. C'est quand même une belle année, parce qu'il a quand même fait finale au championnat de France, il gagne le championnat de France de double, ils sont champions d'Europe par équipe, donc c'est quand même une belle récompense pour lui, mais aussi pour les coachs, et aussi content pour la Fédé, qui font des choses extraordinaires pour eux.